Mes amis, pendant l'état dit l'a chercher pasteur Forge, mais qui ça mis à régler dans moment ça. Oui, m'gonon saisi. Et m'gonon pose tête ou plusieurs questions. Am dit, quand mis ces jeunes vidéos ça, est-ce que c'est pour un ancien vidéo? Est-ce que c'est tout bon pasteur Giraforge? Et qui côté lié là? Qui ça l'a fait comme ça? M'gon des questions viennent dans tête ou par milliers, par diverses. C'est la diversité des questions ou des interrogations. Mais mesdames, messieurs, j'aimerais vous dire, oui, c'est pasteur Gérard Forge. Oui, ça c'est avec un groupe Timoun, quelqu'un Ophelina, et bien mesdames, messieurs, l'Ichita là-bas au Mangil. Oui, je suis par l'autre côté, en Haïti. Oui, il a été déplacé. Est-ce que c'est vrai l'État a toujours à chercher moucher ça? Faire sport. En dehors, monsieur ça, on va le bon détail, on va le saisir. Et ma profite de vous, DCPJ, vous devez prendre forme corps et vous responsable parce que M. Forge entré à Haïti pendant deux fois. Le pasteur Gérard Forge, mesdames, messieurs, il a été largué au mandat derrière monsieur. Et le mandat a été largué dans le dos, monsieur. Je salue les Haïtiens partout et ailleurs. Qui en général toujours a bataille pour nous. Chaque information de la guerre fait mouvement pour ça. Et maintenant, d'amener ça, mes frères et sœurs, amis, les finis dans le cas d'enquête qui était mené sous question assassinat président Jovenel Moïse qui au fait, c'est une nègre qui mourit très mal. Regrettez mémoire. Pour qui ça aujourd'hui me choisi venir avec émission ça pendant un paquet l'autre dossier que me t'ai parlé de. Pour qui ça c'est question dossier assassinat président Jovenel Moïse là me prend qui ça passé. Un paquet dossier vraiment que me t'ai choisi entre eux même pour me parler de eux des préférences dans question que me vienne parler de assassinat président Jovenel Moïse. Même fait émission ça deux jours avant madame Jovenel pral foutuit. Et deux jours avant, côté que les journalistes hypocrites vont tweeter pour dire que adieu à notre cher Jovenel Moïse.
qui n'ont pas su monter la pente afin de créer même une miniature de possibilité pour que Jovenel Moïse, pour que justice soit rendue à M. Jovenel. J'ai décidé deux jours avant ça pour me faire émission sur Jovenel Moïse. Il y a des nouveautés qui sont dans l'émission. Mais je voulais parler également, mesdames, messieurs, la responsabilité de l'Église haïtienne. L'Église haïtienne, je veux parler également de l'Église épiscopale, l'Église catholique, l'Église mormon, l'Église de Dieu, l'Église baptiste, l'Église protestantisme. Toutes les religions s'y trouvent. Je m'a parlé de eux-mêmes dans la question assassinat Jovenel Moïse. Là. Même je voulais dire quelque chose tout sur le plan géopolitique sous question assassinat du président Jovenel Moïse. Là. Mais avant de quitter M. Pasteur Vorge et Forge t'es décidé en quelque sorte, à travers quelques ambitions que M. Gagné, il faut dire que M. était candidat à la présidence, et M. était décidé de dire, faut que bataille pour vous, mesdames, messieurs, mes frères et sœurs, qui s'acrivait avec M. Sayo. Et M. était décidé de dire, la politique, quand vous êtes aspirant, en politique, il faut que vous entourez des hommes politiques. C'est de là que M. Tabral entouré de Emmanuel Sadon. M. Tabral entouré de on série de nègres qui sont dans le secteur là, qui ont fait ratiboiser, qui ont fait un paquet de l'obéille. Eh bien, pasteur Forge, M. était décidé en quelque sorte à côtoyer les Xayo et également pasteur Bataille pour capable permettre que l'Église capable venir avec moule dans la question politique pays. Mais nous parlons de cette position. Oui, c'est vrai. L'homme se décide d'entourer le bon paquet nègre. Eh bien, monsieur Pral commence à comprendre. Chef là, t'es plus rapide. Mais au départ, m'a dit nous, ce n'est pas une mauvaise chose d'être élu comme étant un chrétien. Le bon problème pour nègre là, en tant que chrétien, le parler dans la politique pays. D'ailleurs, c'est l'autre bagaille que je me toujours aimé dit. Il faut que les chrétiens eux-mêmes grandissent tout socialement. Parce que si nous avons dit critiquer les gens, il faut que nous quittons et nous ne pas quitter les portes ouvertes pour les gens, capables de jouer un moyen pour être capables tout le temps, c'est eux-mêmes qui dirigent. Nous d'accord sur ça. Mais parce que cette fois, je pourrais commencer à entrer dans la logique. Zami avec Emmanuel Sano et participer à plusieurs réunions qui font pour permettre que le président Jovenel Moïse quitte le pouvoir. Et Nagyo était tellement dévoué, mesdames, messieurs, dévouement que Nagyo était gagné, te voulait dire, n'importe façon, il y a, et comme c'est me dire, sculpter ou expulser Jovenel Moïse, pour eux-mêmes, ils capable de jouer une transition. Et de ce fait, l'ordre à jouer une transition, on va voir que Nagyo prend l'élection qu'on a, il y a des sénateurs, il y a des ministres. Jusqu'à présent, il m'a crassé par ce bataille. Eh bien, M. Tevin cité comme non-nègre qui participait dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là. Et il mettait mandat d'amener les MC. Et dans le cas d'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, là, j'ai considéré que c'était considéré comme une persécution politique. Et que il était même dit qu'il pensait que la décision ça a été prise par rapport à l'engagement qu'il a gagné et de position politique dans le pays par rapport avec Jovenel Moïse. Ok. Pasteur Vataj, M. Kounian, libé la fait salve parce que Ariel Henry passe l'ordre pour M. Relax. Mais je pense que nous tous comme ça. Et M. c'est l'église, M. c'est pasteur responsable de l'église rock solide pour ne pas dire sur le rocher, donc Adelma. Maintenant, qui ça nous besoin? La question assassinat président Jovenel Moïse, là. Monsieur Jovenel Moïse, mesdames, messieurs, t'es décidé pour le changer lignée politique. Étudiant en droit international, capitaine de Miao, a compris effectivement qui ça m'a dit là. L'opra le changer ligne politique ou bien que. Et je suis capable de dire ça, ou bien on peut changer l'orientation politique,
Gagnez, faut pas nous changer. Fizou et pour là, faut qu'on comprenne les règlements diplomatiques. Par exemple, mesdames, messieurs, n'y a pas de toujours dit dans la diplomatie. Hein? C'est la diplomatie, c'est de donner des coups de pied au derrière des gens en leur serrant la main avec un bon sourire. C'est permettre que, mesdames, messieurs, vous gagnez une capacité de nuisance que personne n'est pas capable de percer. Et ce que Monsieur Moïse a voulu faire. Moïse, Jovenel Moïse, mesdames, messieurs, qui était un support tout à fait intéressant par les États-Unis d'Amérique. Pas oublier, mesdames, messieurs, dans le règlement multilatéral, États-Unis ont un groupe de pays qui choisit pour ne pas fonctionner avec eux sur le plan politique étrangère active. Cela veut dire. Côté que c'est des pays où pas besoin moi États-Unis pour aller arriver non et pour arriver on le là et qui côté la privée pour aller elle paraît là la Russie ou bien la Chine et puis la venir imposer un bagage il va faire ça c'est pas possible mais qui ça qui gagne Jovenel Moïse s'est décidé mesdames messieurs à essayer de faire en relation sud-sud indirectement. Mais conseillé par Laurent Salvador Lamotte et également Moïse Jean-Charles. Parce que si Jovenel Moïse fait élection et M. fait élection au plus vite, M. réalise dans l'élection ça, c'est peut-être Moïse Jean-Charles qui comprend. Comme Moïse Jean-Charles, c'est un conseiller spécial indirectement. Pour M. Moïse, eh bien, M. décide en quelque sorte dit, faut que il est capable de gagner une assurance de travail qui a commencé à faire en face des États-Unis d'Amérique pour venir permettre que, mesdames, messieurs, les mêmes arrivent au pouvoir, il est capable de continuer avec même démarche. C'est là que vous pouvez comprendre, M. Moïse décide de monter à la Turquie. L'homme s'est décidé à la Turquie. Et puis, Dakadino, il y a c'est ce qu'on appelle la communication en diplomatie. Et, mesdames, messieurs, la communication politique diplomatie, ou bien diplomatique. Qui sacrifie? Dans la politique étrangère, là, ou capable de synergie qui fait avec politique dans le pays là par rapport avec son rien comme vision. C'est ça monsieur Moïse de fait, il bail les États-Unis toute attention dans les votes dans série de l'autre bagage. Ça c'est la diplomatie et la diplomatie à l'intérieur et à l'extérieur. Jovenel Moïse vote tout bagage pour les États-Unis d'Amérique, voter contre Venezuela pour les États-Unis d'Amérique, font pas que l'autre bagage. Mais non, fait mandat, monsieur, monsieur décidé en quelque sorte de bailler les États-Unis en coulant d'eau. Et monsieur monter la Turquie. Si l'homme se monter la Turquie, mesdames, messieurs, Jovenel Moïse, pour le réaliser, c'est la molle. Parce que Jovenel Moïse connaît effectivement, il a été livré par ses amis. Dans le premier coup de fil, monsieur fait l'aile sortir la Turquie. Donc, en diplomatie et. Comment c'est quoi le terme encore une fois donc recadrage d'une position l'homme ça essayer montrer que position que le gagnant l'a essayé ou comment il t'a résoudre problème non c'était difficile de communiquer avec les personnes qui étaient comme intermédiaires entre le gouvernement haïtien et ceux de ou ceux des États-Unis d'Amérique ou les pays occidentaux. Et c'était même le problème pour le monsieur Moïse. Le monsieur décidé de faire ça. Mais qui est-ce qui te font bagaille comme ça très bien dans le pays? Il n'y a pas que l'autre monde qui était Jean-Claude et François Duvalier.
Mesdames, Messieurs, François Duvalier n'est pas ton dictateur côté qui était comme si qui pas de boss. D'ailleurs, François Duvalier l'Elvinis est sous prospère, m'assange, non? Oui. Et puis, monsieur vient monter dans le pays comme président. Monsieur a gagné républicain ensemble. Et certains dans démocrates aux États-Unis qui ont essayé de faire gourmet en face, monsieur. Comme États-Unis, dans l'époque, ça a tellement gagné des préoccupations par la politique étrangère. Ils ont essayé d'imposer sur la Chine, imposer sur un paquet d'autres pays. Mais ils ont décidé de dire que le problème d'Haïti n'est pas nécessaire pour l'instant. Et c'est ainsi que Jean-Claude Duvalier vient réussir et M. Pral perdu pouvoir. Le régime Pral perdu pouvoir en 1986 parce que c'était une nouvelle donnée politique étrangère. Et pas tant encore. Moïse et Jovenel Moïse et même Magalal t'a le fait. Pas de façon Jovenel Moïse t'a mouru sous pouvoir, c'est le patal le tuki. C'est le patal essayer de changer politique étrangère. Et bien j'aimerais vous dire que malheureusement, Amérique n'a pas tué M. avec deux mains. Mais il a été livré. C'est comme quoi on sécurité la CAO et puis on joue le décide de dire ah, on j'aime même pas sécuriser parce qu'on fait des ordres. Donc, mesdames, messieurs, Jovenel Moïse mourit depuis là ça. En tout cas, M. Mourinette, mon qui tue M. Yon dans la rue. Tant qu'au pasteur fort, je suis abgadé. Et aspect géopolitique là, tellement de temps. Dans une nouvelle émission, m'a fait nous voir que qui ça la cause Jovenel Moïse pas t'a obligé pas mourir sous pouvoir, faut qu'il était mourir sous pouvoir. Algade majorité nèg qui en face occidentale, les pays d'occidentaux. Comment on finit au pouvoir là? Manon utilisa pour aller à Haïti pays du statu quo à l'île, on voit que qui ça ça veut dire quand on a fait avec la diplomatie étrangère et c'est ce qu'on appelle la désinformation diplomatique. Et le pire, Brice Nelfao fait une affaire nous sous et les héritiers, les mandataires et Brice Désiré. Et puis même Brice, même Fao ça lui-même, il vient quitter héritier Brice Désiré, il vient mandataire Zachary Pierre. Et là nous porter plainte et parquet. Eh bien, le ça, c'était commissaire Manès lui. Brice Nelfao lui-même, il était pris 2 ans en prison. Et de justesse, Félix Jean-Charles lui-même, il était guettant lui-même et sauvé dans le dossier ça. De justesse. Vin gagner Félix Jean-Charles lui-même, qu'on y a là, qui vient faire surface. Qui vient faire surface, qui fait jugement sorti. Et tout ça, Mabdoula, il y a un document, il y a une preuve à l'appui qui est capable de prouver tout ça, Mabdoula là. Et le Félix Jean-Charles lui-même, li fin affermité avec conseil de m capable dit particulier le rivé parquet ou porter plainte pour lui li dit pas reconnaître moun sa yo et le gagné et un jugement Félix Jean-Charles fin prononcé et pas un jugement fin prononcé li vin prononcé contre nous par défaut le nous porter plainte pour lui et bien cabinet d'instruction li décerné un mandat ou invitation by Félix dans premier temps. Alors, pas des juges là, Félix? Non, Félix Jean-Charles lui-même, c'est mandataire des héritiers Brice Désiré. Ok. Eh bien, leur vin décerné un mandat, une invitation dans premier temps, le pas venu. Et puis, invitation ça vient transformer avec un mandat d'amener. Et c'était en date du 15 mai 2015. Eh bien, la justice a cherché Félix Jean-Charles, le pas capable de mais faut que moi dis où? Gagné juge Jean-Claude Dabrésil, qui lui-même c'est ton voisin dans le temps, eh bien, jugement Félix Jean-Charles là, et l'Elfine sorti contre nous, et juge Dabrésil, Jean-Claude Dabrésil, c'est lui-même qui était signé exéquature pour venir déguerpir nous. Mais ça qui paraît bizarre, c'est juge Dabrésil, à l'époque que l'habitait Manti 107, zone où elle discute ensemble avec nous, c'était voisin, elle habitait face à face. L'Elfine signe exéquature pour venir déguerpir nous. Même juge d'Abrésil encore, il monte le vin la caille moins exactement sur votre frère. Il vient dire, non pas monsieur, c'est William, non de famille, c'est Saint-Ilma. Il dit, il va jeune moins. Il dit, dis professeur Saint-Ilma comme ça, moins besoin pour discuter un bagage important ensemble avec lui. Le coup y a là, moins descend côté et juge Jean-Claude d'Abrésil. Eh bien, il dit, mon cher Yam,
m'a voyé Félix Jean-Charles Roto négocier avec elle. Je dis, mais juge de Brésil, comment je vais faire négocier avec Félix Jean-Charles et Brisnel Faro sorti un jugement sorti contre nous par défaut et c'est le jugement Joe Rivaldé qui prononce le jugement, même jugement Joe Rivaldé vient exécuter le jugement. Et là, ça, ni Félix Jean-Charles, ni Brisnel Faro, tout est ensemble. Et vient un troisième monde qui c'est Macabel Diagène qui dit. Bah, mélangé, oui, là. On va mélanger. Qui dit que il y a 5 KO. C'est lui-même qui bail et Félix Jean-Charles Lyon KO. Et dans papier hein, l'op garde ou pour li papier document et Macabel Diagène nan qui dit c'est mandataire et le ça est bien intéressant dans dossier ça. Tout mandataire ça yo, pas jambe gon famille. L'op parle de mandataire des héritiers Brice Désiré qui représenté par Félix Jean-Charles. Ou pas jambe joine une famille qui c'est Brice Désiré dans périmètre là. Le Brice Nelfao vient avec lui, c'est mandataire Zachary Pierre. Ou pas jamais une famille Zachary Pierre qui est dans la zone là. Donc, et le Macabel lui-même a envoyé papier à nous pour préparer le jugement. Nous venons tomber dans un véritable dilemme. Il y a là, le nous-mêmes nous avons recours avec la justice. Et bien, c'est le ça, où vient nous, côté que vient décerner, la justice vient décerner au mandat, au mandat, mais documents même là. Ouais. Et comme preuve. Donc, je dis à Célanouye, son mandat qui est décerné contre. On va parler de Félix, qui est même. C'est en famille ça, qui a même un terrain dans le monde qui permet que je dis à une situation difficile, que jusqu'à présent, pour qu'on soit libre avec ça, qui appartient de droit, c'est ça. Très, très bien. Et bien, c'est parce que. Mais on a fini là, faut que nous gardions qui gens. Qui ça va chercher qu'on y a? Eh bien, ça m'a cherché. C'est pour la justice lui-même, malgré faiblesse la justice, malgré nous qu'on est et son pays qui est difficile. Félix Jean-Charles lui-même, les voit un message, les voit un message bas nous, il dit nous que l'a venu pour le venir craser Kaino. Et n'a pas appelé Félix Jean-Charles lui-même, il vient craser Kaino pendant deux fois déjà. Félix Jean-Charles, oui. Oui, Félix Jean-Charles. J'ai dû la venir craser Kaino. Il dit la venir craser Kaino en troisième fois encore. Oh, oh. Il vient craser Kaino, le sale gang, il accompagne, il prononce du nègre, Cité Soleil, débarquer avec Kanté. Ok? Côté le jeune nègre, Cité Soleil, qui est-ce? Bon, par contre, côté le jeune ensemble avec lui. Des civils ou bien? Non, des bandits. Je suis capable de dire que vous débarquez avec manchette. Vous débarquez avec manchette. Oh. Ok? Population lui-même l'obligé de camper. Population pacifiquement fait manifestation. Ou bien. Bandi, Michel, j'ai cité Soleil pour déguerpir l'autre bois. Qui vient déguerpir nous. Mais nous-mêmes, c'est ça qui fait que nous-mêmes, et nous avons fait, nous avons recours avec la justice. Nous avons demandé la justice pour la justice capable de trancher. Parce que si Brice Nelfao lui-même, c'est parce que le connaît le monde d'elle, ok, qui fait que l'a agi comme ça à chaque côté qui vient terrain, Brice Nelfao lui-même, il a une équipe qu'on a avec lui. Pour le capable occuper terrain et puis pour le faire comme nous mêmes c'est ça qui fait que nous dit monsieur consacré dans le cas maître Jean Balsin le et nous demande de venir dire bien nous et puis nous demander référé dossier a arrivé devant juge Berge au Subri il dit nous consacré depuis nous payer depuis nous déposer comme cas notaire nous dit nous voulons payer terrain mais mon coup de pas venir dire bien nous et bien effectivement mes documents côté que dans le cas maître Régine Valsin, Kaïn Outer, Régine Valsin, nous déposer comme pour Félix. Eh bien, et ceci, c'est depuis 29 septembre 2011. Ah bon? Ok, il n'est pas venu prendre comme là. Parce que le point, il connaît que les gens qui ont fait le barrage pour lui, et dans le domaine. Monsieur, c'était à lever point. Très bien. Et le dossier a été même arrivé côté Zokiki, commissaire Zokiki. Ah. Le commissaire Zokiki tendait nous. Et puis, le commissaire Zoki qui dit comme ça que bon, mon cher m'a parlé tout. Là, je pense que vous dites essentiel et instance concernée, les gens qui ont une question, ça. Donc, si c'est malgré ça, il y a là, je suis malade dans toute colle. Mais moi, je crois qu'il y a des gens qui sont sérieux dans la justice pays, ça, toujours. Et il y a des cas que vous avez réglé. Vous avez fait équilibre de questions. Monde qui mérite justice là, bal justice. Son citoyen haïtien, son professeur, monde qui a servi population. Et c'est pas jeudi, ça fait longtemps. Mais qui dans situation difficile, il choisit pour en route qu'elle doit prendre, ça qui doit là, aller la justice pour chercher, justice pour ce qui a passé.
mais nous rendons compte de tout ce qui a passé là. C'est comme si on a mélangé, chaque les gars prend les codes d'un côté, les gars le cité soleil, les gars bandit, mais dans l'autre côté, on voit dans qui sont là. Donc nous souhaitons que, bon, nous sûr que nous qui concernons attendre l'émission matin débat, nous toujours attendre, mais d'oléant ça qui passe matin, qui est suivi, qui a pas fait ça. Donc moi c'est que, mais ça il est arrivé côté Louis et professeur, c'est un plaisir de nous parler de ça matin. Eh bien, moi remercie nous et moi remercie en pile monsieur Telfort le fait que vous recevez dans l'émission ça, son devoir. Et seul ça moi voulais ajouter, nous avons plusieurs familles qui habitent en Oua. Nous avons près d'une centaine de familles qui habitent en Oua dans la zone là. Et jusqu'à présent, nous pas des envahisseurs, c'est pas occuper nous vienne occuper terrain illégal. Et voilà pourquoi nous t'alcaille nous maître Jean Valsem dans le déposer corps. Eh bien, ni Félix Jean-Charles, pas Jean-Marie et Kainoutéa pour le capable de négocier ensemble avec nous, ni Brisnel Fao, pas Jean-Marie le passé avec Maître Jean Valsin, d'après ça, mais juge Berge au sécurité dit depuis que Kainoutéa a déposé quoi pour eux, eh bien, pas de problème. Et ça qui fait que moi, je viens dans la radio matin, je pense que eh bien, la justice lui-même l'a tranché. Parce que nous ne pouvons pas rester un petit côté avec monsieur pour nous battre comme tant que Jean l'a fait. Mais nous-mêmes, c'est chemin la justice que nous prenons. Non, c'est la route. C'est donc, la route. C'est encore une fois. Bon choix. Encore une fois, monsieur Telfort, merci. Et je pense que famille en haut, en sous-route, frère, a besoin d'une solution avec dossier ça. Et moi, je m'a dit, juge et Jean-Claude Dabrésil, nous, la population n'a pas rien contre lui en haut. Jusqu'à présent, je connais que ils sont juges qui sont honnêtes, sont juges qui sont sérieux. Et donc, Félix Jean-Charles a agi, c'est parce qu'il connaît que c'est lui qui a supporté. C'est juge Jean-Claude Dabrésil qui a supporté Félix Jean-Charles. Et m'a demandé pour le démarquer de Félix Jean-Charles dans le dossier ça, parce que jusqu'à présent, la population connaît juge Jean-Claude Dabrésil son monde qui honnête, son monde qui sérieux dans la coopération judiciaire là. Donc encore une fois, merci.